Le parcours des falaises entre Saint-Valery-en-Caux et Veules-les-Roses permet d'observer tous les niveaux repères importants allant du Cognacien supérieur au Santonien moyen. L'exemple choisi est situé à l'est d'une petite valeuse s'abaissant à l'altitude de 46 mètres. La limite Santonien moyen et supérieur se place entre un couple de silex dénommés Ixit et Bacol. Plus bas se trouve une séismite caractérisée par un niveau marneux, la marne Anglesqueville, et des silex dispersés, le silex Saint-Léger. Un silex bien net ici, le silex Shortbrow, sépare deux ensembles crayeux avec une patine différente. D'autres silex sont encore visibles, le silex Whitaker 3 inches, le silex Pénitent, le silex Brass Point, le silex Bedwell's Columna, le silex Mitchell Dean, considéré comme la base du Santonien. Un hardground coloré, parfois profondément ravinant, le hardground Velette, est un trait marquant des falaises entre les Grandes Dalles et Veules-les-Roses. Enfin, la marne Saint-Sylvain est le repère le plus profond ici.